Que l'accusé se lève. Je tiens à préciser ma position. La sentence a été rendue par les quatre membres du jury, tous les quatre officiers. Mais je voudrais toutefois exprimer mon point de vue personnel. En tant que juge, je pense que ce verdict est le seul possible. À la suite des délibérations, la réponse est oui à toutes les questions en vertu de quoi le colonel Foster est reconnu coupable d'avoir contrevenu à l'article 138, dans lequel la sentence est spécifiée. L'exécution doit avoir lieu à 12 heures le 19e jour du mois suivant. Tout appel doit me parvenir dans les 14 jours. Le colonel Freeman est parti? Oui, il y a à peu près 2 heures. Dois-je le contacter? Inutile, je le rappellerai de la voiture. Bien. Freeman. Alec. Oh non, vous ne dormez donc jamais. Je ne vous réveille pas au moins. Si, justement. Écoutez le Canadien. Il y a plusieurs choses que je veux vérifier. D'abord, il y a un certain... Attendez. Attendre quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ne dites rien, Alec. J'ai reçu un signal d'alarme. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes en danger? Est-ce que vous...
m'entendez? Ça y est, j'ai trouvé Alec. Il y avait un micro dans ma voiture. Il y a une personne qui essaie de nous avoir. Seulement, je pense savoir qui nous a joué ce tour. Encore merci, inutile de nous décourager. Mais le général m'a défendu. Vous nous feriez beaucoup de peine en insistant. Oh. Je n'ai pas pu les arrêter. Ça va, mademoiselle Scott. On n'arrête pas un cheval emballé et encore moins deux de nos hommes. Stryker, j'avoue que je suis désagréablement surpris. Ça, j'en suis persuadé. Vous connaissez Jackson, je crois. Keane le connaît. Les oreilles et les yeux les plus fouineurs de la Terre. Mon général, colonel Freeman. Je vous aurais serré la main sans hésitation, mais je n'aime pas les choses qui sont légèrement gluantes. Bon, maintenant qu'on a terminé avec les politesses, je présume que vous avez une raison valable. Alec. Vous êtes peut-être au courant. Je connais. Un excellent microphone, marque 4 régulier. Portée approximative, 5 kilomètres. Il était dans ma voiture. Pourquoi? Pour deux raisons. Nous assurer de votre sécurité. La vraie raison. Il y a deux jours, nous avons dû intervenir auprès de la presse. Un journaliste voulait divulguer un rendez-vous secret entre un cargo et un arrêt au SCAF, avec les coordonnées de lieu et de temps au centième. Il a fallu s'adresser à la direction pour arrêter cet article. Vous voyez d'ici le tableau. D'un côté, un innocent petit aéroscaf en train de faire surface, et de l'autre côté, les applaudissements et les flashs des reporters et des photographes. Si vous n'avez rien de mieux à faire qu'à raconter des histoires... On vous a bien installé ce fameux micro et vous en êtes pas rendu compte, alors vous feriez mieux d'écouter. Nous avons vérifié. Cette information n'a jamais été mise en circulation. Elle n'est pas sortie du quartier général de Shadow situé sous les studios. Je vais être bref et clair. Quelqu'un que vous connaissez travaille chaque jour sur de telles données. Que fait votre service de sécurité? Donnez-nous tous les détails. Et nous trouverons le responsable. Si vous échouez, nous réussirons. C'est un vrai plaisir de discuter affaires avec vous, Monsieur Foster. Eh bien, espérons que ça ira. Oh, je ne m'en fais pas. Je ne me serais pas permis de faire signer ce contrat à Diane si je ne lui prédisais pas un brillant avenir. Vous verrez, un jour, vos studios me remercieront, mon vieux. Je crois que nous allons faire une longue carrière ensemble. Vous verrez, Monsieur Foster. Bien, n'oubliez pas que la direction doit d'abord lire le contrat et l'approuver. Oui, bien sûr. Je suis persuadé que nous arriverons à un arrangement. Et puis chacun de nous peut aider l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Henderson a raison. Nous avons un problème de taille cette fois. Et ça me fait une drôle d'impression de parler, discuter, d'aller et venir en sachant qu'une personne que je connais depuis des années... On est arrivé là et que peut-être nous aussi en arriverons là. Mais qui est-ce? Ça, c'est le message codé envoyé à l'aéroscaf. Celui qui a été divulgué à la presse. Contre-signé et envoyé par le colonel Foster. Bonjour. Est-ce que ça va? Formidable. Faire un film est beaucoup plus difficile qu'on le pense. J'en apprends tous les jours, c'est passionnant. Oui, tout le monde en apprend tous les jours. J'ai un mot à vous dire. Oui, je viens. Non, tout de suite. Renvoyez tous vos hommes. Allez manger, les enfants, à tout à l'heure. Oh, laissez marcher le projecteur, il faut que je visionne ce qu'on a tourné hier. Vous en êtes certain? Bien. Bien, je vais voir ça. Je le lui dirai. Fermez la porte. Vous avez transmis cet ordre il y a 3 jours. Oui, mais c'est des... Il voudrait mieux en discuter dans votre bureau. Vous avez peur des oreilles indiscrètes? Je pense que nous n'avons rien à craindre ici.
Avez-vous transmis ce message? C'est exact. Vous êtes bien conscient que je suis votre supérieur, n'est-ce pas, Foster? Oui. On dit oui, qui? Oui, mon général. C'est très bien. Alors, ne l'oubliez pas. Écoutez, voulez-vous m'expliquer? Non, c'est moi qui pose les questions. Qui d'autre connaissait ce message? Qui était au courant de cette mission? Mais j'en ai parlé à Alec Freeman. Lui avez-vous précisé la position? Et l'heure du rendez-vous? Non, mon général. Est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un d'autre? Non, général. Comment se fait-il qu'avec une information que vous prétendez avoir tenue secrète, un journaliste ait réussi à faire un papier? À faire un papier? Oui. Et qui donnait en termes précis l'endroit ainsi que l'heure du rendez-vous de nos deux unités. Mais je ne comprends pas. Moi non plus, Foster. Stryker. Anderson vient de m'appeler. Il s'est produit une autre fuite. Elle concerne un vol en provenance de notre base lunaire. La planification de ce vol était signée? Oui, bien sûr, par Foster. Merci, Alec. C'est inouï. Il me faut une explication. Une explication? Expliquez quoi? Que pensez-vous que j'ai fait, hein? Je ne pense rien du tout, Foster. Je me base sur les faits. Croyez bien que je suis désolé de n'avoir rien à vous expliquer. Toute cette histoire est ridicule. Ridicule, vous dites? Très bien, vous trouverez peut-être aussi qu'un tribunal militaire est ridicule. Vous pensez que je suis un... Lorsqu'Anderson aura appris ce que je sais, ne vous faites pas d'illusions. Vous oubliez une chose, Foster. Shadow est une organisation à caractère militaire. Nous sommes en guerre. Vous serez certainement accusé d'espionnage. Moins 3. Bien. Garde. Je vais présider cette cour martiale, messieurs, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés d'après l'article 138 de la charte. À partir de maintenant et jusqu'à la fin des débats, chaque personne présente est tenue de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Major Jackson, à vous la parole. Le colonel Paul Foster, ici présent, est accusé d'avoir contrevenu à l'article 8 de la loi sur la sécurité au sein du Shadow. J'ai l'intention de vous démontrer que lui, et lui seul, est responsable, et par là même coupable du pire des crimes qu'un homme puisse perpétrer contre notre organisation en temps de guerre, l'espionnage. La défense ne voit rien à ajouter, du moins pour l'instant. C'est très bien. Major, continuez votre exposé. Le premier témoin de l'accusation... Le lieutenant Ford. Vous êtes le lieutenant Kit Ford, le plus ancien aux opérations de contrôle du Shadow. Oui, monsieur. Est-ce que vous reconnaissez l'appareil qui est sur la table près de vous? Oui, monsieur. C'est un ordinateur de codage et de transmission. Est-ce le même qui est en service au contrôle Shadow? Oui. Voulez-vous dire au juré comment il fonctionne? Au primaire, nous avons des circuits imprimés avec des relais ordinaires miniaturisés et montés en série. Lieutenant, le tribunal aimerait que vos explications soient aussi simples que possible. Oui, monsieur. Les informations sont insérées là. Attendez. Sous quelle forme se présente une information? Elle est écrite à la main sur une fiche d'ordinateur. Comme celle-ci? C'est ça. Très bien. Et vous nous dites que le message ou tout ce que vous voulez envoyer est écrit à la main. C'est une méthode plutôt archaïque, non? À une époque où l'électronique prime tout. C'est la meilleure mesure de sécurité actuellement. Cet appareil est programmé pour préanalyser les cartes et les comparer à une carte témoin. Et elle n'accepte que les cartes conformes aux données initiales. C'est ça.
Par exemple, si je voulais envoyer un message écrit de ma propre main... Il serait préanalysé et rejeté. Vous n'êtes pas programmé. Ah, oui. Dites-nous alors, lieutenant, qui a son écriture programmée et acceptée? Le général Stryker, le colonel Freeman et le colonel Foster. Et le colonel Foster, oui. Je vois. Et l'information est ensuite codée et retransmise automatiquement, c'est ça? Oui, monsieur. Je vous remercie. Lieutenant, qu'advient-il après des cartes perforées? Elles sont détruites dans l'ordinateur. Mais les informations sont bien conservées quelque part. Oui, elles sont enregistrées dans la mémoire de l'ordinateur. Ainsi, si vous... Vous vouliez en prendre connaissance, lieutenant, il vous serait facile de les extraire et de les lire. Oui, monsieur. Ainsi que tous ceux qui se trouvent avec vous à ce moment-là. C'est exact. Tout le monde. Je vous remercie. Encore une question. Que faut-il faire pour extraire de l'ordinateur toutes ces informations? Ici, vous faites une sélection numérale et les données correspondantes apparaissent là. Sur une carte qui est semblable à celle-ci? Oui, monsieur. Mais... Lorsqu'elles apparaissent, ces données sont codées comme elles l'étaient à la transmission. Est-ce qu'un ordinateur de décodage n'est pas nécessaire pour les reproduire en clair? Et quand cet ordinateur a-t-il été utilisé pour la dernière fois? Eh bien, 2 semaines environ. 2 semaines environ. Et les informations qui ont été divulguées contre toute règle de sécurité n'ont été transmises que depuis 5 jours à peine. Ce sera tout, lieutenant. Que le capitaine Waterman vienne prendre place. Capitaine Lee Waterman, commandant de l'aéroscaf. Je ne vous poserai qu'une question, capitaine. Saviez-vous ce que contenaient vos ordres concernant l'heure précise et votre point de rendez-vous transmis à votre sous-marin par le colonel Foster? Non. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, capitaine? Jusqu'à ce que nous recevions confirmation, le message reste dans la mémoire de notre ordinateur. Je vois. Et est-ce que vous agissez ainsi pour des raisons de sécurité? Oui. Ainsi, ni vous, ni personne de votre équipage n'avez pu divulguer le contenu de ce message? Non. Oh, s'il vous plaît. Répondez un peu plus fort, capitaine. Non. Merci. Aucune question. Et tu en es bien sûr? Je vous dis que je l'ai vu moi-même. Il n'y a pas d'erreur possible. Bien, c'est tout ce que je voulais. Occupe-toi de tout ça. Et fais bien attention. Où allez-vous, patron? M'en vais voir Stryker. Ouais, paraît que c'est lui le patron du studio. Lui? Stryker, commandant en chef, section opération. Général Stryker, est-ce que le colonel Foster est un de vos amis? C'est un officier servant directement sous mes ordres. Mais c'est un de vos amis également? Pas dans le sens où vous l'entendez. Ce camarade de travail est-il un espion? Est-ce un traître, général? Quelle est votre opinion? Vous désirez mon opinion en tant qu'homme ou en tant qu'officier supérieur responsable du colonel Foster? Mais si vous nous faisiez profiter de l'opinion des deux, général? Puisque vous insistez. Sur le plan humain, mes idées sont personnelles et je n'ai pas à en faire part à cette audience. En tant qu'officier responsable du colonel Foster, je ne m'intéresse qu'aux faits, non aux discours, ni aux suppositions. Je n'ai plus de questions. Le colonel Foster est relativement nouveau au sein même du Shadow. Oui. C'est vous qui avez contresigné son acceptation? Oui, rien ne s'y opposait. Sur quoi avez-vous basé votre décision? Eh bien, d'après des données physiques et psychiatriques et d'après les ordinateurs. Je me suis également basé sur son expérience en tant que pilote civil et militaire. Et sur mon jugement. Aucune restriction du côté sécurité? Naturellement. Ceci est un rapport du service de sécurité, rapport sur le colonel Foster. Est-il authentique? Oui, il l'est. Général, je vous demanderai de lire à haute voix le dernier paragraphe. Le colonel Foster présente à nos yeux les meilleures garanties de sécurité aussi. Nous vous recommandons son intégration au facteur A. Je vous remercie. Général, vous verrez que je... Je suis l'un des officiers d'état-major que l'on a chargé de ce rapport. C'est exact. Votre signature est lisible. Bien. Ceci tend uniquement à démontrer que personne ici ne peut être à l'abri d'une erreur.
Êtes-vous d'accord? Merci, général. Là-dessus, je propose l'ajournement de la séance pour ce matin. L'audience reprendra à 14 heures. On étouffe ici. Oh, excusez-moi, monsieur. Carl Mason voudrait vous voir. Il dit que c'est d'une extrême urgence. Non, je n'ai pas le temps. Tricker! La parole est à l'officier défenseur. Le seul fait qui ressort clairement de l'audience de ce matin, c'est que l'accusé, le colonel Foster, a été de toute évidence en possession de tout ce qui a été classé pièce à conviction. Mais il n'y a pas eu de preuve comme quoi il aurait communiqué ces informations à une personne non autorisée. Il n'est pas question dans ces circonstances que je gaspille le temps précieux de jurer en citant des références connues de chacun de vous. Ses antécédents parlent pour lui. Je cite le colonel Foster comme témoin. Foster, Paul J., matricule 804. Colonel, vous êtes innocent ou coupable de charges retenues? Innocent. Avez-vous communiqué les informations citées au dossier à une ou plusieurs personnes non autorisées? Jamais. Merci. Colonel Foster, voulez-vous nous dire si vous avez des tendances à la dépression nerveuse? C'est vous qui êtes psychiatre. Contentez-vous de répondre à la question. Je ne suis pas nerveux. Jamais je n'ai fait de dépression. Sous une tension plus forte ou soudaine, gardez-vous un calme raisonnable? Raisonnable, oui. Ça fait partie de votre profession, je le sais, et aussi partie de votre entraînement. Dans des conditions normales, vous devez toujours vous dominer, c'est ça? Oui. Colonel Foster, est-ce que vous êtes nerveux actuellement? Où voulez-vous en venir? Vous n'avez aucun commentaire à faire, colonel. Êtes-vous nerveux actuellement? Pourquoi le serais-je, d'après vous? Est-ce que vous l'êtes? Oui ou non? Répondez, colonel Foster. Non. J'avoue que vous me surprenez. Vous êtes accusé d'avoir révélé des renseignements secrets à un représentant de la presse, risquant ainsi la sécurité même de Shadow, risquant la vie. La vie, je dis bien, de chacun d'entre nous ici. Objection, votre honneur, c'est une provocation parfaitement inutile. Objection rejetée. Ceci n'a rien d'un tribunal civil. Nous recherchons la vérité par tous les moyens. Continuez. Colonel Foster, est-ce que vous avez ou est-ce que vous n'avez pas violé la section 8, paragraphe 5 de la spécification sur les règles de sécurité au Shadow? Je ne l'ai pas violé. Dans ce cas, voulez-vous nous dire comment il se fait que la presse ait eu vent de ces informations? Je n'en sais rien. Je suggère que vous le demandiez à la presse. Et je suggère que le colonel Foster nous dise enfin la vérité. Je n'ai qu'une chose à vous dire, je ne les ai jamais communiquées à qui que ce soit, monsieur. D'accord, colonel Foster. Mais j'ai là une chose à vous montrer. C'est une photocopie de votre compte bancaire personnel. Il indique qu'une somme de $10,000 y a été versée il y a 10 jours. Par un généreux ami qui n'a pas tenu à dire son nom. Nous attendons vos explications, Foster. C'est insensé. C'est la première fois que je vois ça. Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Que voulez-vous insinuer? Oh, mais rien. Ce n'est pas une insinuation, c'est une explication. On vous a payé pour nous espionner, c'est tout. C'était le prix de votre trahison. Une récompense pour votre crime. Je prétends que vous avez vendu des secrets concernant Shadow à la presse pour la somme de $10,000. Je viens de vous dire que j'ignorais d'où provenait cet argent. C'est une machination. Un plan pour m'accabler.
Je croyais que vous n'étiez pas nerveux, Foster. Cette histoire ne tient pas debout, il déforme la vérité. Je suis obligé de protester, mon client est encore provoqué délibérément, votre honneur. Du calme, je veux que tout se déroule dans l'ordre. Tout est faux du début à la fin, et vous le savez. Très bien, Foster. D'où vient ce chèque? Répondez. Je n'en sais rien. Foster, pour la dernière fois, je vous demande d'où vient ce chèque. Qui a versé cet argent à votre compte? Je vous ai déjà dit que je n'en savais rien. D'accord. Alec, est-ce qu'on peut retrouver son origine? Le chèque vient d'une banque suisse. C'est impossible. Mon général, je m'adresse maintenant à l'officier supérieur. Me croyez-vous coupable? Quoi que vous disiez, ça ne changera pas la décision des jurés. Je veux juste savoir. Il est évident qu'aux yeux de la cour martiale, vous l'êtes. Mais si vous voulez ma conviction profonde, je vous répondrai que... Colonel Freeman. Bien. Les jurés sont prononcés. En vertu de quoi le colonel Foster est déclaré coupable sans circonstances atténuantes? D'après l'article 183, la sentence est bien spécifiée. L'exécution est fixée à 12 heures le 19e jour du mois suivant la sentence. Tout appel doit me parvenir dans les 14 jours. Cette cour martiale est dissoute. C'est incroyable. Il n'y avait pas une preuve tangible de culpabilité. Foster a été reconnu coupable d'après une série de faits qui n'avaient aucun lien entre eux. Une information divulguée à la presse. Foster lui était le seul à connaître cette information. Il ne l'a donnée à personne. En tout cas, il le dit. Et l'ordinateur de codage et de transmission n'est pas en cause. Je suis persuadé qu'il y a une explication. Bien. C'est probablement militaire, oui. Non. Non, n'insistez pas, je ne vous dirai rien. J'ai appris ça par hasard. Oui. Oui, je vous réserve l'exclusivité. En ce qui concerne les conditions, toujours pareil. Bon. Désirez-vous quelque chose, colonel? Non, merci. La nuit peut être longue. Désirez-vous que le docteur vous donne un comprimé pour vous faire dormir? Non, merci, ce n'est pas la peine. Bien dormi, Monsieur Strecker. Pour tout vous dire, non. Oh, c'est dommage. Parce que moi, je n'ai pas dormi du tout. Carl Mason, c'est ça? Oh, enfin, le grand chef daigne jeter un mot bref au mendiant que je suis. Je vous en prie, excusez-moi. Écoutez, Strecker, ça fait bien 3 jours que j'essaie de vous rejoindre, alors écoutez. Tout le monde a ses problèmes. Certains plus importants que d'autres. Est-ce que vous allez lâcher mon bras? Oh, non.
Je vous ai téléphoné une douzaine de fois, sinon plus. J'ai pratiquement dormi ici tous les soirs, alors je vous tiens, je ne vous lâche plus. Mason, je n'aime pas du tout... Vous dites que vous avez des ennuis. Alors je vais en ajouter un gros à votre liste. C'est une question de sécurité. Une question de sécurité? Écoutez, bon sang, je fais un film dans vos studios. Peut-être vous le rappelez-vous, non? Et toute la réussite reposait sur un nouveau système d'éclairage. Une révolution. Et je sais qu'une compagnie concurrente construit le même appareil. Ça, c'est de l'espionnage industriel. Oui, c'est ça. Tout. Seulement, je vous donne exactement 12 heures pour jeter Paul Foster à la porte de vos studios. Que vient faire Foster là-dedans? C'est la seule personne avec qui j'ai discuté du système, Stryker. Où étiez-vous? Qu'importe où nous étions. Où en avez-vous discuté? Dans son appartement. C'est peut-être aller chercher loin. Et c'est peut-être aussi une drôle de coïncidence. Non, rien. Foster est consciencieux. Il a dû faire les vérifications d'usage toutes les semaines. Que dit Anderson de tout ça? Oh, ça ne l'intéresse pas. Je me demande pourquoi je le lui ai dit. Si nous voulons une révision, il faut que nous lui apportions des preuves concrètes. Oh, vous, vous feriez mieux de remonter ça. Pourquoi? Quand Foster l'utilisera-t-il? Bien. Je n'ai plus faim, j'ai bien mangé. Ce cher Webb vient quand? À 2h30. Ne vous faites aucun souci, c'est un excellent avocat, votre appel sera pris en considération. Oui. Bien sûr. Si vous me donniez un peu de café. J'en étais presque sûr. Inutile de rester là plus longtemps. Attendez une minute, Alec. Chez lui, Foster devait travailler là. Assis là. Lorsque Mason est venu le voir, disons qu'il est venu à la fermeture des studios, il a dû arriver vers 7h30. Bien. Que faisait Foster à cette heure-là? Vous voulez vous mettre dans l'ambiance? Vérifions encore. Positif. Ça y est, Alec. On doit tout passer au peigne fin. Il faut un groupe de recherche. Il y en a un autre. C'était combiné intelligemment. Deux cellules de transmission et deux minuscules caméras. Le tout alimenté par le système d'éclairage. On a trouvé ça dans une poubelle à environ un kilomètre de là. Magnétophone? Oui, avec un récepteur radio couplé à l'intérieur. Si un microphone reçoit une impulsion, elle est immédiatement transmise et enregistrée. Ensuite, quelqu'un n'a plus qu'à venir prendre la bande magnétique. Trouvez d'où viennent ces appareils. Tout de suite. Qui dirige ce magasin? C'est moi. Qui êtes-vous? Je crois que ceci sort de chez vous, non? C'est possible. Mais pas sûr. Arrêtez de faire le pitre. Mademoiselle, sortez. Écoutez-vous, ici c'est une propriété privée. Il existe deux manières de se comprendre, Singleton. Vous choisissez la douce ou la forte.
Joe. Qu'est-ce que vous voulez? L'adresse précise et le nom du client qui vous a pris ses accessoires pour espion amateur. Bonjour, colonel. Êtes-vous bien traité, au moins? Très bien. J'ai rédigé votre appel. Il me faut votre signature. Oui, c'est un document valable. Plutôt fragile, mais valable. Vous êtes psychiatre, Jackson. Croyez-vous que le général Stryker soit un artiste de tempérament? Non. Non, je ne crois pas. Alors, pourquoi, d'après vous, a-t-il placé cette espèce de tableau derrière son bureau? Je reconnais que ça m'intrigue. Peut-être pour se calmer lorsqu'il est trop nerveux. À votre avis, quel est le sentiment le plus fort chez un être humain? L'amour? La haine? L'instinct de conservation? Garde! Recherchez le colonel Foster, 804, alerte groupe 2 et 3. Je veux qu'on arrête mademoiselle Jane Grant. Adresse? Avenue Eastern au 124, rez-de-chaussée. Vous avez pris note? C'est ça. Je vais au studio. Oh, et il me faut le général Henderson en priorité. Priorité A. Cette fois, je me réjouis d'avance. Et alors, Stryker? Vous pensez avoir du nouveau? Eh bien, j'en ai aussi du nouveau pour vous. Foster s'est échappé il n'y a pas une heure. Les groupes 2 et 3 sont partis sur ses traces. Quoi? Mais c'est insensé, voyons. Foster connaît tous les secrets de Shadow. Il vient d'être condamné pour espionnage. Je ne peux pas risquer toute notre organisation pour une seule personne. J'ai donné l'ordre de tirer à vue, c'est tout. Mais son appartement est truffé de micros. Vous croyez? C'était peut-être sa façon de leur passer ces informations. Il vous faudra d'autres preuves de son innocence pour me convaincre. Il nous faut une déclaration de cette demoiselle Grant, et il nous la faut vite. Grant? Elle est arrivée, elle vous attend. Merci, Ford. Allez-y, j'espère que vous avez une explication au sujet de mon enlèvement par vos agents. Oui, vous faites de l'espionnage industriel. C'est une accusation ridicule. C'est dans un appartement privé que vous vous livrez l'espionnage. Il appartient à Paul Foster. Croyez-vous? Toute l'électronique vous a été fournie par un monsieur Mark Singleton. Il nous a tout raconté. Dans ce cas, téléphonez donc à la police. Vous savez très bien que la loi n'a aucun recours contre l'espionnage industriel et c'est bien dommage.
Il ne reste qu'une solution, c'est me faire reconduire. C'est un revolver acoustique. J'en ai entendu parler. Oh, excusez le jeu de mots. Je suis un homme désespéré, mademoiselle Grant. Armé d'un jouet d'enfant? Si je le place contre votre oreille, et si je tire, l'onde sonore vous percera le tympan. On m'a dit aussi que certaines parties du cerveau pouvaient être atteintes et endommagées. Et quand bien même je vous croirais, je ne crois pas que vous soyez un homme désespéré. Soyez-en sûr. Si vous refusez de signer une confession, un homme sera exécuté. Exécuté. Vous signez là. Elle a signé la déclaration. Trouvez Anderson. Il est trop tard. Il a téléphoné. On vient de ramener le corps. Il faut que je le voie, mademoiselle Scott. Je vais voir s'il est là. Il y a là une personne qui veut vous voir. Faites entrer, Stryker. Veuillez entrer. Merci. Stryker, vous me surprenez. Deux visites dans la même année. J'aurais voulu que vous lisiez ça. Si vous avez un petit moment entre deux plaisanteries idiotes. C'est une déclaration sous serment, laquelle prouve sans équivoque l'innocence de Paul Foster. Sous serment? D'une espionne industrielle qui opère ici. Mademoiselle Grant. Elle voulait découvrir un procédé d'éclairage en studio. Et nos ennuis sont venus à la suite de ça. Jackson. C'est vous qui aviez tort, Jackson. Paul Foster n'avait qu'une chose à se reprocher. Il travaillait la nuit chez lui. Il rédigeait ses ordres à la base lunaire et à l'aéroscaphe pendant que deux petites caméras le surveillaient d'un coin de l'appartement. Il faudrait le prouver. Ah oui, pourquoi? Je n'ai qu'un espoir, c'est que le souvenir de Foster serve d'exemple aux autres. Un moment, Stryker.
Vous croyez que je suis plus ou moins un idiot, un crétin, un sans-cœur, c'est ça, Stryker? On lui a tiré dessus avec des cartouches anesthésiantes. C'était une idée de Jackson. Bien, n'allez pas croire que nous attendons la gratitude. Un moment, Stryker. Vous croyez que je suis plus ou moins un idiot, un crétin, un sans-cœur? Je suis plus ou moins un idiot, un crétin, un sans-cœur. Je suis plus ou moins un idiot, un crétin, un sans-cœur. Je suis plus ou moins un idiot, un crétin, un sans-cœur. C'est excellent. Oui, excellent. Je suis enchanté que vous ayez voulu nous voir, Monsieur Foster. Ah oui? C'était pour vous donner ceci. C'est 10 000 dollars versés généreusement à mon compte, c'était vous. Ah oui, mais personne ne sait d'où cet argent provient. Vous saisissez? Ah oui. Lorsque vous êtes venu pour un essai, je ne voyais pas ce que vous vouliez exprimer par chacun de nous, peut-être de l'autre. Maintenant, vous avez raison, je saisis ce que vous voulez dire. Il va falloir vous trouver un autre agent. Oh, alors, ne le prenez pas comme ça. Mais si. Vous n'avez aucune idée de ce que votre chèque m'a coûté. Alors filez en vitesse avant que je vous démolisse. Foster, où est-ce que vous étiez passé tout ce temps? Au soleil, sur la plage, hein? Non, écoutez-moi. Vous n'avez aucune excuse, mon vieux, que vous le croyez ou non, le film est la seule raison de vivre d'un studio de cinéma. Et si pas de film, pas d'argent. D'accord? Alors allons-y.